7h15 en direct, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 14 janvier et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler, l'info du Grand Lille en images en 7 minutes, l'info auprès de chez vous, c'est ici dans ce journal. Avec tout d'abord un mot des prévisions météo et la journée s'annonce très instable avec cette alternance entre pluie, nuages et soleil. Pas mal de pluie déjà à cette heure-ci dans la région lilloise. Les nuages seront en tout cas bien présents tout au long de la journée, mais peut-être quelques éclaircies de soleil cet après-midi. Les températures en tout cas sont de saison avec 5 ou 6 degrés de prévu pour les maximales. Le retour de la neige peut-être avec quelques giboulées ce soir et cette nuit. On en reparle avec la météo complète après le journal. Une info sport tout d'abord dans le Grand Lille pour démarrer cette édition avec la qualification du LOSC hier soir pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue. À Guingamp, les Dogs sont venus à bout des Bretons au tir au but après un match nul 0-0. Au tour suivant, donc en demi-finale, les Lillois recevront Bordeaux les 26 ou 27 janvier et prochain. L'actualité régionale marquée également ce jeudi matin par cet important incendie cette nuit à Arras. Hier soir, peu après 20h, le feu s'est déclaré dans un bâtiment de 12 000 m² de l'usine Soplaril, produisant des emballages plastiques. Heureusement, sur place, pas de victimes à déplorer selon plusieurs sources et selon les pompiers. Mais aux environs de l'usine, une trentaine de personnes ont dû être évacuées tout de même par sécurité, après avoir été incommodées par les fumées. C'est un énorme brasier hein, contre lequel les pompiers ont dû lutter toute la nuit à Arras. L'incendie est ce matin maîtrisé, mais pas encore tout à fait éteint. L'actualité en image à la une ce matin, c'est cette première réunion de travail hier. Les 5 présidents de département autour du président de la région. Une forme de G6 du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, appelée à se réunir toutes les 6 semaines dans un département différent. Le but est simple, mettre en commun ses compétences pour travailler ensemble, être plus efficace. Et du RSA au transport scolaire, en passant par le sport, la culture, l'économie, l'emploi. De nombreux sujets ont été abordés pendant cette réunion. Le président de la région, Xavier Bertrand, a notamment annoncé la mise en place d'antennes dans chaque département pour permettre aux habitants de ne pas se déplacer jusqu'à Lille pour certaines démarches administratives. On écoute l'un des présidents de département, celui du Nord, Jean-René Le Cerf, hier au micro de Clotilde Le Guévec. On a parlé économie, vous savez, en matière économique, c'est la région qui est désormais l'acteur essentiel, pour ne pas dire l'acteur unique. Mais ça va se mettre en place au cours de l'année 2016. Donc il n'est pas question non plus qu'on abandonne toutes les structures d'aide à l'implantation d'entreprises qui existent. Parce que si on fait une année blanche, on ne va pas la retrouver toute vivante au début de l'année prochaine. Donc là, on s'est mis d'accord sur des solutions de continuité qui permettront effectivement de passer ces périodes de transition de manière intelligente. Et puis on a abordé, sans trouver des réponses à tout, la culture, le sport, le tourisme, comment va-t-on gérer les compétences partagées ? A noter par ailleurs que le futur nom de la grande région n'a pas été évoqué hier, mais Xavier Bertrand a déjà laissé entendre qu'il souhaitait une consultation en public à ce propos pour laisser choisir aux habitants le nom de leur territoire. Alors entre le bon vieux mais assez long tout de même, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le tendance Hauts-de-France, la Ch'ticardie, pourquoi pas, le territorial Flandre-Artois-Picardie, ce sera peut-être bientôt à vous de choisir. Si vous habitez Ouascal, vous les avez peut-être vus depuis quelques jours, ces rubans bleus accrochés aux entrées des bâtiments municipaux ou même épinglés aux vêtements de la ville, des agents de la ville. Il s'agit en fait d'une opération pacifique de protestation menée par le personnel municipal. À Ouascal, certains employés vivent mal actuellement la réorganisation des services, la compression du personnel menée par la mairie. Une inquiétude et un mal-être exprimés à travers ces rubans bleus. Écoutez les explications de cette responsable syndicale à Ouascal, jointe hier par téléphone. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a plus de 600 agents qui sont concernés en mairie d'Ouascal, donc 600 agents, 600 familles. On ne peut pas aller aux classes, comme vous dites, parce qu'il faut quand même qu'on essaye de comprendre les raisons pour lesquelles il y a des soucis, les raisons pour lesquelles on ne peut pas pallier des soucis rapidement. Donc je pense que la municipalité est très consciente de tout ça et qu'elle est en train de chercher des solutions. Mais on ne lâchera pas, évidemment. On est là en soutien du personnel et on avance, on essaye d'avancer. 7h19, l'info du Grand Lille en bref dans cette édition avec ce beau geste des employés ERDF de Tourcoing envers les Restos du Cœur. Un chèque de 10 000 euros a été remis hier à l'association qui devrait permettre ainsi d'emmener en vacances cet été près de 200 enfants défavorisés de la région. Allez, dans cette édition et également, voici un produit musical tombé un peu en désuétude avant de faire aujourd'hui son grand retour. Le vinyle, bien évidemment, n'est plus vintage ou has-been, c'est un support actuel qui, dans cette boutique à Armentières,
a même dépassé les ventes de CD à Noël. C'est le grand retour de ce support musical, un disque 33 tours au petit craquement que tout le monde connaît. Il fait son retour en force, comme ici donc à la Boîte de Fer à Armentières. Les jeunes ou les moins jeunes, plus habitués, l'apprécient en tout cas pour son authenticité. Le vinyle d'aujourd'hui connaît un renouveau car il est plus solide qu'avant, plus robuste. Il apporte une vraie reproduction des morceaux, parfois imperceptible via le numérique. Les explications du gérant de cette boutique musicale, Jean-Jacques Defer, au micro de Céline Huret. Il n'y a plus vraiment de concurrence avec les grandes enseignes parce que aussi bien, je veux dire des noms, mais les Fnac, les Furet, les Leclerc, les Auchan, tout ça, ont un peu baissé les bras pour ce qui est des disques. Les rayons s'amenuisent. Alors moi, de ce fait-là, ça m'arrange. Donc les gens viennent un peu de partout pour acheter des disques ici, de la région lilloise, de la région de Béthune, tout ça. Et comme je suis le dernier disquaire indépendant de la région Nord-Pas-de-Calais-Somme depuis une paire d'années maintenant, faut venir ici si vous voulez chercher un truc compliqué ou si je peux vous trouver un morceau que vous cherchez depuis des années. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai encore la cote et que j'existe encore. Allez, rapidement pour les amateurs de cinéma également ce soir, Omar Sy et Roche Dizem seront à Kinépolis à l'Homme pour l'avant-première de leur film Chocolat. L'histoire de ce clone noir du début du XXe siècle est devenue célèbre. L'acteur et le réalisateur iront bien sûr à la rencontre du public après la projection ce soir à Kinépolis. 7h21 en direct, très bon réveil à toutes et à tous, belle matinée en notre compagnie. Tout de suite, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.